Dans une interview récemment accordée à la Dépêche du Midi, Marie-Sophie Lacaro a confié être la réceptrice de courriers malveillants provenant de téléspectateurs de son journal télévisé. À propos d'aux manettes du journal télévisé de 13h de TF1, Marie-Sophie Lacaro a-t-elle trouvé une place dans le cœur de tous ces téléspectateurs? Selon elle, récemment interrogés par le journal La Dépêche du Midi, certains d'entre eux ne sont pas convaincus par sa prestation sur les écrans et le lui ont fait savoir. La faute à son accent, elle est originaire de Villefranche-de-Rouergue et a grandi près de Perpignan, qu'elle gomme pourtant lorsqu'elle prend l'antenne. Je reçois encore aujourd'hui des courriers me disant que je ne parle pas français, a expliqué la journaliste à nos confrères. Si je l'ai d'abord pris pour moi, j'ai surtout pensé à ces millions de Français qui ont un accent et que l'on ne comprend soi-disant pas. Des remarques auxquelles l'animatrice s'est certainement habituée car, en tant que provinciale à Paris, Marie-Sophie Lacaro a déjà eu le malheur d'être interpellée pour son élocution. Parfois, c'est gentil et mignon, et parfois on sent les moqueries, a-t-elle confié. Loin d'elle l'envie de laisser ses commentaires la retenir dans sa carrière, j'ai toujours décidé que je ne voulais pas que cela m'atteigne. Droit d'auteur Dominique Jacobi de Bestimague et Marie-Sophie Lacaro et Jean-Pierre Pernaut sur le plateau du journal télévisé de TF1 le 18 décembre 2020 privé d'adieu avec France 2. Elle ne peut pas en dire de même de son départ précipité de France 2. Au mois de septembre 2020, quelques jours après l'annonce de la dernière révérence de Jean-Pierre Pernaut, elle a animé son dernier journal télévisé pour France Télévisions. En promettant d'être de retour le lendemain, elle ne s'est pas attendue à ce que le service public lui fasse barrage. J'ai appris le jeudi soir que je ne présenterai pas le JT le lendemain, a déploré Marie-Sophie Lacaro dans les colonnes de télévision Mag en novembre 2020. Je n'ai pas pu dire au revoir aux téléspectateurs, après 4 ans passés avec eux. J'aurais préféré le faire proprement et correctement. Une peine qu'elle ne se prive pas d'exprimer. Ses anciens collègues ne l'oublient toutefois pas. À la suite d'un problème technique survenu au sein de TF1, Julien Bugier lui a adressé un malicieux clin d'œil et provoqué la colère, malgré lui, dans la foulée. Crédit photo, agence Bestimage Let's Block ADS. Why?